Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser cette animation de texte que tu vois ici. Donc, pour faire ça, je pars dans KineMaster. Je choisis une image de couleur noire. Ensuite, je vais changer la couleur, mettre la couleur rouge. Je valide. Je vais partir maintenant au niveau de l'AE. Je prends le texte. Je vais écrire gentleman. Je vais l'agrandir un peu. Choisir un fond pour lui. Je prends le fond sans serif Pattaya. Donc là, c'est pas mal. Après, je prends une animation d'entrée. Je vais mettre whip right. Ok, le temps 1,5. Je valide. Ensuite, je pars au niveau de l'AE, handwriting. Je vais dessiner un petit trait. Vous vérifiez à ce que les paramètres soient conformes. Donc là, je vais faire un tiret blanc. Je vais le positionner très bien. Voilà, il faut que le tiret apparaisse en première position, avant le texte. Maintenant, je vais agrandir ma timeline, zoomer très bien sur la timeline, c'est-à-dire les pistes qui sont en bas. Je vais faire une animation maintenant, en ajoutant des images clés. Donc, vous faites bouger un peu. Dès que le texte commence à sortir, vous faites bouger notre tiret et vous envoyez tout près ici, comme je le fais. Là, on a mis une image clé. On pousse un peu vers la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc là aussi, voici notre seconde image clé. Je vais bouger un peu aussi. Je vais mettre une autre image clé, c'est-à-dire la dernière image clé. Ok, là c'est pas mal. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. J'ai cliqué au niveau d'ici pour ajouter un marqueur comme ça. Je vais dupliquer le texte et changer la couleur du texte. Ici d'abord, ce texte-là, je vais le déplacer pour que son début soit au niveau d'ici. Je vais mettre la couleur à rouge. Comme ça, le rouge sur le rouge, on ne voit rien. Celui-là, je vais lui donner cette animation d'entrée. C'est-à-dire qu'il ira de la droite vers la gauche. Donc, je vais reprendre avec handwriting. Je prends toujours le carré plein. Cette fois-ci, je vais essayer de tracer un carré qui va couvrir et le tiret et le texte que j'ai mis. Donc, vous le faites très bien à ce qu'il masque le tiret et le texte également. Je vais le positionner. Donc, vous pouvez aller également sur Instagram, vous écrivez Golcobar comme c'est écrit ici pour me suivre. Je vais publier là-bas de temps en temps quelques images et vous pourrez causer avec moi là-bas. Si vous avez également des questions, vous pouvez me les poser. Donc, celui-là aussi, je vais le donner une même animation que celui que j'ai donné à l'autre, mais avec des délais de temps un peu différents. Donc, comme ça, je vais faire une prélecture, voir le résultat. Vous voyez comment c'est? Ok, ça c'est pas mal, je vais exporter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi en commentaire votre avis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.